Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour m'entrer la caillou pour me porter pour toute dernière information à travers le pays d'Haïti. Tant que l'autre bord, je dis à ce mercredi 23 janvier 2024. Bienvenue dans le journal nous pour jeudi en collaboration avec VOA Créole. Actualité à sous plan national, la police nationale d'Haïti a arrêté Fouquet Tancoukrab, ancien président chambre député à Charles Chassi, sous l'ordre d'un juge Aldunel dimanche cap mené dossier CNEA et bien dans le pays d'Haïti. L'ONU fait sortir un rapport jeudi mardi, secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres montre comment que année 2023 lui-même gen plus moun ki mouri par rapport à année 2022. Actualité à sous plan international, gagné face à face dans New Hampshire entre ancien président Donald Trump et ancienne ambassadrice l'ONU Nikki Haley, lui-même après abandon gouverneur État Floride Ron DeSantis qui lui-même jeudi a appuyé Donald Trump dans la course électorale liée dans ça. C'est tout point ça yo. Avec divers slots, nous allons gagner pour nous développer pour dans le journal ça, rester connecté à nous de façon capable bien informé. Une autre fois encore, bonsoir pour nous toutes et bienvenue dans le développement journal SILA. La police nationale d'Haïti a arrêté ancien député Charles Chassi dans le cadre d'un dossier CNA que juge Aldunel dimanche lui-même li a mené après que juge nan lui-même te fin auditionné Charles Chassi yon première fois montré que lui-même li pa gen pièce moun en dedans CNA li pa gen matériel CNA nan men. Eh bien hier mes amis internautes après juge Aldunel dimanche lui-même li fin poser question ensemble avec ancien député a et bien montrer à clair que li nan mensonge ensemble avec Aldunel dimanche il gagne yon moun qui c'est Emmanuel Olivier yon co-responsable en dedans CNE et bien qui a aidé li à joindre yon série de matériel sans aucun problème et bien juge nan lui-même bon côté parle après audition ça li mandé ensemble avec la police pour capable fouquer et directement Charles Chassi et même hier ça lorsque la police lui-même li fin arrêté li rivé en pour ta aller dans pénitencier national d'après toute dernière information comme quoi que et bien machine ça qui peut aller ensemble avec lui dans pénitencier national qui pas blindé et bien Charles Chassi rivé passer première nuit en prison li en dedans commissariat Pétionville jodi a bien bonnes amis internautes aux environs de 10h du matin et bien gagné Charles lui-même qui rivé en dedans pénitencier national nan moment n'a pas les là yon l'autre côté même lancé a gagné en pile moun qui trouvait en dedans Henry yo même yo obligé lever matin barricader tout côté dans moment pour comme quoi que pour qui yo change chance t'es capable joindre libération comme quoi que lui-même li pa kon rien dans sa gain avec volé matériel ancien ni vendre matériel sa yo. Eh bien, de l'autre côté, manifestation li lancé, il a continué après gros bout de déclaration Guy Philippe l'humanité fin fait après révolution, c'est désobéissance en civil. Eh bien, gagné Léogan au Cap Okayan lui-même qui était campé à tout gros naïf, mais gagné ailleurs côté qui était gagné gros bout de ton manifestation en dedans Jérémy, là qui était la cause en pile monde en plus qui était gagné environ 6 monde t'est arrivé perdre la vie en dedans Jérémy, là tout madame mademoiselle des messieurs jusqu'à présent manifestation toujours à continuer et là gagné dans ville Saint-Marc en pile monde levé campé jeudi pour continuer mandé et bien pour que Ariel Henry capable démissionner et ba y a possibilité avec yon l'autre monde pendant que lui-même pour que capable racher mon clic baite a blanche. Yon l'autre côté pendant gagné l'ONU lui-même qui fait sortir yon rapport jeudi mardi a montré et surtout ensemble avec secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres montré quantité monde qui mouri dans pays d'Haïti par une série de gang côté que pays a gangsterisé tout côté gagné environ gagné plus que 5000 monde 5000 haïtiens qui mouri dans pays d'Haïti par gang pendant année 2023. Il montre que quantité moun qui te mouri pendant année 2022 ya, et ben année 2023 avec en plus que 5000 moun ça veut dire et ben c'est un chiffre qui vraiment élevé et même doublé quantité moun qui te mouri pendant année
2022 ya. Gen Rosemont Jean lui-même qui c'est un zélé qui c'est un zélé PHTK après que l'ancien président Jovenel Moïse lui-même li fin rivé joine la mon li pa on série nèg qui était fini ensemble avec président sorti 6 pour rivé 7 juillet 2021 et mais Rosemont Jean li transformé tête li en Jovenelisme au lieu de PHTK. Et bien, heureusement, Jean qui mande pour que le président Jovenel Moïse capable de jouer une justice, et bien, lui-même encore, lui fait comprendre, tout autant que le président pas jouer une justice, et bien, il n'est pas capable de marcher. Là, dans le moment, il a fait allusion, il fait yon seul, ensemble avec Guy Philippe, pour capable faire révolution ça, que ancien rebelle, lui-même, lui a parlé, yon façon capable de déraciner, et bien, premier ministre Ariel Henry, dans tête, pouvoir dans le pays d'Haïti. Gagnez amis internautes, dans le moment n'a pas la situation est toujours rete compliquée. Gagnez dans le Moyen-Orient, gagnez Israël en Hamas là, li toujours à continuer. Gagnez un président israélien, lui-même li décider et montrer à clair quel que soit n'importe côté qui gagne yon grain militant Hamas sans pour quantité moun qui ont été kidnappés pour yo sorti dans mois d'octobre, 7 octobre passé ya, pendant cette guerre ça lui-même li te commencé quantité moun qui ont pour yo kidnapper yo même yo décidé même lorsque tu as gagné un trêve même lorsque tu as gagné un pile gros problème même lorsque tu as gagné possibilité tout pour manger ta entrée dans Gaza et bien jusqu'à présent yo décidé que capable et bien touye tout le monde qui gagne dans Gaza parce que ça c'est un bagage qui va jamais fini tout autant gen moun qui existait en dans Gaza nous voulons parler principalement et bien militants Hamasio dans New York cher gagne madame mademoiselle et monsieur gagne face à face élection ça qui a fait parler de lui gagne ancien président Donald Trump lui-même qui trouvait là en face Nikki Haley après que directement gouverneur état Floride là DeSantis lui-même qui lui-même jodi a fait un seul pour qu'il capable appuyer Donald Trump contre Nikki Haley dans élection qui gagnait dans moment n'a pas là Donald Trump lui-même qui vraiment paraît en favori dans tout en point élection et eh bien gagne une quantité monde qui déjà préparé pour capable voter ancien président comme quoi que c'est un nan monde qui capable mener back pays États-Unis et eh bien pays 50 étoiles ça en pile monde en pile américain déjà prêt pour que capable continuer voter ancien président pour que capable gagner un autre mandat sous Nikki Haley, ancienne ambassadrice l'ONU. Voilà, amis internautes, c'est toute information ça que nous avons pour que nous puissions partager ensemble avec vous. Nous avons présenté un journal jeudi en collaboration avec VOA Creole. C'était amis qui dirigeait Ristal sur Gros Channel 1, Papa Dessalines. Restez connectés avec nous. Nous avons quitté ensemble avec La Voix de l'Amérique pour plus de détails et pour vous. Un reportage. Pays d'Haïti, sous l'ordre juge Alduniel dimanche, la police a arrêté ancien président chambre député Charles Chancy dans cadre enquête sur détournement matériel dans Centre national équipement CNE. Toujours concernant pays d'Haïti, d'après un rapport l'ONU, quantité monde qui mourit doublé dans l'année 2023. Et puis actualité électorale haïtienne aux États-Unis, face à face dans New Hampshire entre ancien président Donald Trump et ancien ambassadrice l'ONU Nikki Haley après abandon gouverneur état Floride Ron DeSantis qui lui-même journée aujourd'hui a appuyé monsieur Trump. Et oui, c'est point ça yo avec l'autre encore nous parler développer pour dans rendez-vous, il y a un programme qui passe sorti lundi pour arriver vendredi sous VOA Creole et actualité ap mené nous d'abord dans pays d'Haïti côté gros point qui dominait actualité ça. Et ben c'est sous l'ordre juge Alduniel dimanche, et ben la police a arrêté ancien président chambre député Charles Chancy dans cadre enquête sur détournement matériel Centre national équipement yo CNE. Leader parti politique Alliance pour une société sans exclusion AC Charles Chancy joint arrestation hier lundi 22 janvier après une deuxième audition sous même dossier. Et il faut dire tout que il y a même mandat ça qui permet que yo arrêté ancien député un même mandat second mandat international contre ancien on paquet ancien gros dirigeant parmi eux ancien président notamment et Michel Martelly, Jocelyn Privert et ak en pile ancien premier ministre Pamio et Laurent Lamotte, Evans Paul, Joseph Jout, et puis il y a plusieurs autres ministres, et puis anciens députés, pas ministres, mais anciens ministres et anciens
parlementaire, il y a un dossier qui était tout l'ouvri que n'a pas suivi pour. L'autre point d'actualité concernant le pays d'Haïti, d'après un rapport de l'ONU, quantité de monde qui mourit en Haïti doublé, plus que doublé, dans l'année 2023. Serge Rodriguez, le rapport de l'ONU, ça pour nous. Nations Unies publie un rapport aujourd'hui mardi à même pour dire qu'il y a recensé presque 5000 cas homicides en Haïti pour l'année 2023, qui n'ont plus passé deux fois la valeur par rapport à l'année 2022. Rapport s'il apparaît, dans le moment Nation Caraïbes là, fait face à la violence gang armée, dans le moment institution politique presque fait bécaté. Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a abordé le dossier violence gang dans le pays, a exprimé consternation devant gros niveaux de violence, une situation qui dévastait la vie population haïtienne, particulièrement résidents capitale là, Port-au-Prince. Le rapport Nations Unies fait paraître sous question à l'enjeu d'ouest sur un total 4789 cas homicides en 2023, soit une augmentation 119,4% par comparaison avec l'année 2022. Pour ça concerne les chiffres qui m'a connu à kidnapping, il sortit dans 1359 en 2022 pour grimper arrivé dans 2490, soit une augmentation 83%. Pour bien d'autres nations dans la région Caraïbes, là, que l'on ne pas suspendre considéré comme pays plus pauvre dans l'hémisphère occidental, là, a vivre depuis plusieurs années en bas gros insécurité qui a valé terrain à cause de la violence gang qui a fait ravage au territoire haïtien, alors que Haïti y a un gros problème politique, économique et même dans le système santé. Sous bon parler, conseil sécurité l'ONIA a prouvé dans le mois d'octobre passé une force multinationale sous l'obédience pays Kenya et Nations Afrique de l'Est là déjà d'accord pour diriger mission multinationale. Là. Pendant ce temps, leader haïtien dans différents chapelles politiques ont opinion dépamment sous question ça. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Merci Serge Rodriguez. Et pendant ce temps, on a levé campé, qu'a fait plusieurs côtés contre le gouvernement en place là. Et jeudi, on a eu une conférence pour la presse. Rosemont Jean, qui se porte parole pour nous, eh bien, lui demandé démission Premier ministre Ariel Henry pendant qu'il prend position en faveur ancien sénateur élu grand dans cela, Guy Philippe. Ça nous fait confiance maintenant. Pour nous dire à tout le monde. Qui commençait, ou du moins, qui a parlé de nos situations côté au tableau de boulanger. On a dit non. On combat, bataille construction, pas fait même la bataille, on a crasé le musée. Guy Philippe va entrer dans votre pape, venir votre prince pour venir tourner, citoyen, pour venir gourmer avec la police, pour venir gourmer avec l'armée, pour venir gourmer avec des sables. Guy Philippe voulait, comme citoyen, conscient des situations, pour venir mettre main avec l'armée. La police, les sables, pour rétablir l'autorité de l'État dans la capitale, là, pour rétablir la paix, sécurité, stabilité dans le pays. C'est mission ça. C'est là Guy Philippe, là Guy Philippe a parlé de révolution, c'est ça. Pour nous gagner, il y a un autre État qui rétablit un autre système de gouvernance. Le système, parce que le système nous est là, ça fait Guy Philippe dit, commandant Guy Philippe dit, sénateur Guy Philippe dit, la classe système ça, parce que le système ça symbolise la corruption à tous les niveaux. Système ça symbolise la grabgie, système ça symbolise fait promotion pour la médiocrité, système ça fait promotion, l'on pas de compétences ou pas de le savoir ou pas de capacité pour gérer la chose publique, mais c'est où devant la scène parce que ou bon pour système. C'est système ça qui finit pour caser. Système côté la police, bandit, des pouvoirs. Sous institution, sous l'État. Ce système semble écrasé. Donc, c'était Rosemont Jean. Sous table conférence, il y a plusieurs autres militants avec elle. Et c'est et devant caméra, Wilner Bossou est devant Mikoto. Wilner Bossou. Et puis, il y a l'autre levé campé qui fait dans plusieurs autres côtés, notamment dans Grandance, puis précisément dans Ville Jérémy. Côté que il y a trois mouns pour Pipiti qui perdu la vie. Hier, il y a pile question qui a posé sous fusillade qui était la cause Mounsa ou mouri. Et puis, Jodia, Ville et Jérémy levé plus ou moins. Et ok, côté que eh ben activité a commencé à reprendre. C'est même situation tout pour la ville Okaï, côté eh ben la vie a commencé à reprendre tout dans la ville Okaï, dans le département sud pays, à côté que nous gagnons correspondant nous Jean-Ernst Eliscar. Jean-Premier ministre Ariel Henry nous dit monde dans le sud, l'ouest. Tout pays en général,
continuer à mobiliser parce qu'elle n'est pas capable encore. Et sécurité à valer pays. Tout côté le pays a gang occupé. Nous disons non, c'est la CETA, il faut que nous suspendions l'hypocrisie ça. Que le gouvernement lui-même déchouque lui, rache mon cri, le peuple haïtien, terre pour qu'on l'autre bagarre le pays. Plusieurs milliers de manifestants te prennent la rue pour demander le départ au Premier ministre Ariel Henry. Ariel Benouchos, pas capable de colon. Maman, pour l'éducation, il met une école, m'apprenne, même pas capable. Bon, dis non, pas de mettre une école, même qui n'a pas fonctionné. Dis Ariel Benouchos. Il faut bon matin, il dit faut aller aller. C'est une raison moi m'obligé. En tant qu'on leader, mettre même dans bata, m'a supporter peuple là parce que peuple là prend la rue, il dit pas qu'à fonctionner avec Ariel, il pas qu'à fonctionner avec Agolibio. C'est pour ça que je supporter peuple là dans la rue. Pour journée mardi 23 janvier, activité reprend timidement, transport en commun a fonctionné au ralenti. Cependant, bureau l'état yo pas fonctionné, l'école, la banque, magasin toujours retard porte fermé. Jean-Ernst Eliska, VOA Creole, Okay. Et puis, il y a une nouvelle qui t'a fait quoi que il y a une zone route Henry qui t'a bloqué. Et nous connaissons que ancien député Charles-Zer Chancy, c'est ancien député Henry. Où sous VOA Creole, actualité électorale ici aux États-Unis, dans un petit moment. Oui, actualité électorale ici aux États-Unis face à face dans New Hampshire entre ancien président Donald Trump et ancienne ambassadrice dans l'ONU Nikki Haley. Yon situation qui très chauffée. Nous c'est déjà fièvre électorale ici aux États-Unis. Nous gain sous place Philippe Carver. Jusqu'à présent, seulement un peu plus de 100 000 républicains ont voté pour leur candidat préféré. Mais le résultat des caucus de l'Iowa et la popularité de Donald Trump ont déjà transformé cette course en un duel. Le dernier grand obstacle sur le chemin de Donald Trump vers l'investiture républicaine est Nikki Haley, ancienne ambassadrice auprès des Nations Unies et ancienne gouverneure de la Caroline du Sud. Elle espère que les électeurs du New Hampshire soient si déterminés à éloigner l'ancien président de la Maison-Blanche qu'ils la soutiendront en grand nombre. Lors de l'un de ses derniers événements avec les électeurs dans cet État, elle a déclaré que les États-Unis n'organisaient pas de couronnement. Mais la vérité est que presque tous les républicains les plus importants soutiennent déjà Donald Trump et les sondages dans cet État suggèrent qu'il devance Haley de beaucoup. La plupart des conservateurs souhaitent que Trump ait une autre chance de battre le président Joe Biden. Haley exhorte ses partisans à ne pas l'abandonner. Over the age of 75, because I've said if they don't give us a budget, let me tell you why. The reason I don't have or. Le New Hampshire est particulièrement adapté à ses atouts et Haley a déclaré aux journalistes ici qu'elle s'attend à un résultat plus fort que dans l'Iowa la semaine dernière. Le New Hampshire est connu depuis longtemps pour sa tradition modérée, permettant notamment aux électeurs non affiliés de participer aux primaires républicaines. Et Haley est en pleine ascension. We had a very good competitor, Ron, as you know. Trump, quant à lui, a tenu hier soir son dernier rassemblement avant ses primaires et il a été rejoint sur scène par trois de ses anciens adversaires qui le soutiennent désormais. Cette démonstration de force fait partie d'un effort plus large de l'équipe de Trump pour dominer et démontrer que le parti se rallie autour de lui. Philip Crowder pour VOA Creole à Manchester, au New Hampshire. Merci Philippe. Donc, fièvre électorale ici aux États-Unis, surtout avec primaire Sayo, en avant élection Sayo qui vient pour dérouler en novembre. Était branché sous VOA Creole pour capable de gagner toutes dernières informations sous actualité électorale là, ici aux États-Unis. Après, c'est toujours une actualité concernant les États-Unis. Procureur District Fulton, dans l'État Georgia, gagne gros accusation sous parole qui t'a fait quoi, l'État gagne une relation amoureuse ensemble avec prosecuteur spécial là qui c'est Matt Nathan Wade. Accusation ça yo t'a voulu montrer que l'État a violé règles conduite professionnelle bas l'État Georgia. Plus détails avec Valerio Saint-Louis.
Juge Scott McAfee, cap supervisé dossier légal ancien président Donald Trump là sous subversion électorale dans état Georgia, fixé une audience dans date 15 février pour considérer prendre une motion pour disqualifier procureur district Fulton là qui c'est madame Fannie Willis à cause qu'il t'a accusé qu'il t'a gagné une relation sentimentale qui pas appropriée avec le secrétaire spécial là cap travaille avec lui sous dossier Donald Trump là. Yo accusé Fannie Willis de irrégularité professionnelle. Dossier accusation ça qui gagne 127 pages contre madame Fannie Willis avec Monsieur Nathan Wade t'est déposé dans le tribunal dans le commencement mois ça par Mike Roman, un ancien officiel campagne Trump 2020 qui lui même tout est accusé pour Wally dans complot fraude électorale dans l'État Georgia. Mike Roman accusé pour secrétaire spécial là Nathan Wade que il t'a gagné une relation amoureuse avec Fannie Willis et il t'a utilisé l'argent que le chargé bureau avocat district pour travailler sous dossier pour mener ménager Fannie Willis dans plusieurs voyages à passer belles vacances ensemble. Relation amoureuse entre procureur district Fannie Willis là, et avocat Nathan Wade t'a qu'à créer un conflit d'intérêt qui t'a permis Fannie Willis profiter personnellement de dossier la justice contre Donald Trump. J. Scott McAfee t'a demandé procureur district la Fannie Willis ensemble avec prosecutor Dixie Fulton la met Nathan Wade pour yo tous deux t'a déposé une réponse à l'écrit sous accusation ça que Mike Roman porté contre yo avant date 2 février. Ashley Merchant, avocat qui t'a fait accusation ça yo nan nom Mike Roman, pour qu'on produit preuve concret qui montrait une relation amoureuse entre Willis et Wade. Avocat a indiqué que dans le document que le déposé dans le tribunal là, il a ajouté dossier divorce met Nathan Wade là. Et aussitôt dossier ça l'ouvrit, il a supporté réclamation et accusation qu'il fait yo, à savoir que Willis et Wade te gen une relation amoureuse et puis ont voyagé ensemble avec l'agent Wade te touché pour travailler. Bon côté parli, Fannie Willis, dans la première déclaration publique li depuis accusation te fait, li téléphone tête li dimanche passé à sous chef congrégation l'église Big Bethel AMIA, côté que li téléphone leadership li à la tête bureau procureur district là. Et puis li te repousser toute critique à accusation que te fait contre li. Congrégation l'église a te recevoir avec un pile qui est content pendant que le t'a parlé dans un service un jour avant jour fête là pour honorer révérend Martin Luther King Jr. Fannie Willis te remercier leader noir l'église historique ça dans Atlanta. Qui pas de care de ça yo te dit sous lui et puis il te dit semaine ça pour un moment parce que yo te dit que moi t'es capable honnête avec nous toutes moi senti me t'es tellement besoin reconnecter avec source moi yo moi t'es fait un campé et puis moi t'es écrit une lettre by papa qui dans ciel là moi t'es désespérément besoin parler avec lui sous ça regardez bon Dieu c'est où connaît qu'aime la joie me douleur me péché me défaut. Légalement, dossier accusation, ça a voulu montrer que Mme Willis et M. Wade ont violé red conduite professionnelle par l'État. Le code district là, concernant conflit d'intérêts avec peut-être loi fédérale là, il a demandé pour yo ta rejeté car et puis tout pour bureau M. Wade et Mme Willis t'a disqualifié dans le dossier. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis New York. Un dossier qui était tout l'ouvrir. Nous parlons de l'immigration ici aux États-Unis. Conflit entre Washington et Texas après coup suprême non autorisé agent fédéral yo couper fil barbelé Texas et installé dans fleuve Rio Grande. Jean-Robert Philippe dit nous décision ça prend dans moment côté que dans El Paso gon diminution de monde qui a vive sans document légal dans région. Et Jean-Robert Philippe parle avec nous. Il y a une diminution qui est constatée en termes de quantité d'immigrants qui vivent dans la ville El Paso, par exemple, sans document légal. Donc, raison, qu'on pas quatre raisons qui justifient la raison de faire diminution ça. Cependant, ça va empêcher que les immigrants toujours viennent demander asile sur frontière. Dans le moment où le super États-Unis, sans ces administrations américaines, ils ont bourrade, ils décident que ces droits et administration pour lui retirer tout fil barbelé que le gouverneur Texas a installé dans le fleuve Rio Grande pour bloquer les immigrants rentrer dans l'État de façon illégale. Son dossier vraiment que un peu de monde a suivi, mais d'abord on a regardé qui la situation immigrant qui déjà entré aux États-Unis. Les amis des migrants qui vivent dans la rue El Paso, Texas, diminuent sérieusement depuis lundi 22 janvier à cause de Freddy.
La situación ahorita que ves en El Paso es como se pueden dar cuenta, ha disminuido el número de migrantes que están ya viviendo en las calles o alrededor de nuestra comunidad. Y eso se va a hacer humanos que está parlé avec un envoi spécial service espagnol de l'Amérique expliqué parmi les gens diminution c'est à cause de plusieurs centaines parmi eux une autorisation pour rester dans village sous condition bien qui allait dans hôtel ou bien tout simplement qui recevoir assistance dans les agences de droits humains pour être capable d'ajouter une famille de leur côté. La majorité des immigrants qui vivent dans le village, c'est les gens qui traversent les frontières après avoir demandé rendez-vous, quand ils ont fait une interview avec un agent frontière, ou bien tout simplement, ils ont interdit aux autorités après avoir traversé les frontières illégalement. Armando Gallardo, un immigrant vénézuélien, a parlé avec la Voix de l'Amérique pendant qu'il était en avion avec un frère dans l'aéroport El Paso. De monsieur, il a parlé avec un ami dans Orlando, Floride. Gallardo, qui a été frère d'Ariane ensemble avec frère, passé 4 mois à vivre au Mexique avant de rejoindre un rendez-vous. Il dit... Mayo. Este mayo? En mayo, tengo 4 mois. Nous passons 4 mois à attendre au lieu pour nous traverser Mirai Frontière pour éviter l'autorité immigration pas de déporter nous. Antonio lui-même parlait pour dire. Nous avons 4 mois pour aller esperando la cita porque no no quisimos arriesgar a saltar el muro ni nada de eso. Nous attendons avec patience rendez-vous malgré Fredia. Armando a rendez-vous pour présenter devant un juge d'immigration en mai 2026, pendant que Freli Antonio a rendez-vous en mars 2024. En décembre 2023, le gouvernement local El Paso a mis sous pied un centre communautaire qui est capable d'héberger moins que 700 immigrants. Centre-là aidé ONGO, accueilli réfugiés immigrants pendant la saison hiver. Centre-là été obligé de fermer dans le mois de janvier à cause de pas de assez d'immigrants. Samedi passé, l'Organisation des droits humains Human Rights Watch a écrit au président mexicain Andrés Manuel López Obrador pour demander de rejeter tout nouveau accord avec les États-Unis qui a facilité l'augmentation expulsion immigrants qui viennent demander asile sous frontière du pays. Même ça, a joint le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le ministre de la Sécurité intérieure états-unien Alejandro Mayorkas qui se sont rencontrés dans Washington DC, une délégation mexicaine qui a gagné en tête li, ministre des Affaires étrangères mexicain Alicia Balcena pour discuter des solutions concernant l'augmentation immigrants qui a privé sous frontière chaque jour. Betsy Camargo, directrice réseau frontières droits humains, bat bravo pour décision que le Supreme États-Unis en prend lundi 22 janvier pour permettre garde côte frontalière États-Unis couper fil barbelé gouverneur État Texas Greg Abbott installé dans février Grande pour empêcher immigrants de rentrer dans l'État Texas illégalement. Salomé Ramirez te préparé au partage ça pour service espagnol là et moi-même Jean-Robert Philippe te traduit et adapté dans l'encreol haïtien pour VOA créole dans Washington DC. Actualité amenée nous dans la région Moyen-Orient pour nous parler de guerre Israël-Hamas là qui a continué mais avec un gros pète bon côté l'armée État hébreu. Il y a une mise à jour avec Gentil Augustin Junior. Plus passé 20 soldats l'armée Israël la mouri dans une explosion hier lundi 22 janvier 2024 là dans Gaza alors que porte-parole ministère Affaires étrangères Qatar dit li commencer à parler à tous les boyo pour ta joindre une solution. Cependant, sous bord israélien yo porte-parole gouvernement dit pas gain aucun avancement pendant otage nan men groupe Hamas là. États-Unis sous bord parle toujours à demander Israël pour éviter tous les civils en attaque liée. The destruction of Hamas is governing and destruction capacité gouvernement Hamas ak militaire yo nan zone Gaza ak retourner tout otage yo. Aucun suspend tiré pap kite otage yo Gaza ak Hamas sous pouvoir. En plus de ça, nous pas gen rien pour nous élaborer. Après la mort pour pipiti 20 soldats israéliens, premier ministre Benjamin Netanyahu te dit peuple Israël la pral continuer goumen nan Gaza jusqu'à ce que yon jenyon victoire absolue. Hier, c'était un jour qui plus difficile depuis commencement la guerre. Nous perdit 24 nan pi bon petit garçon nou yo. Et wo yo qui t'est tombé nan défend pays ya. Ensemble ak citoyen israélien yo, mwen kriye pou chak nan yo.
Moi embrasser famille yo, que monde l'a changé pour tout temps. Et nous voyer la prière la paix pour blesser nous yo. Soldats, amis ak famille yo, te crié la mort yon réserve militaire israélien qui te mouri nan Gaza, nan yon enterrement militaire nan Jérusalem jeudi mardi 23 janvier ya. I am sick. Moi malade parce que nous perdi bel jeune garçon sa yo. Nous besoin yo vivant Israël. Nous pas de vle la guerre ça. Nous doué goumen pour Israël. Juif yo. Nous gagnons seul état juif dans le monde là et c'est Israël. La Maison Blanche te dit à hier lundi 22 janvier ya, Israël gagne une obligation d'après loi international là pour protéger moun innocent dans l'hôpital Gaza yo autant que possible. They have a right to defend themselves. Yo gen droit défendre tête yo. Yo gen droit pour yo rele leader sa yo dans tribunal. Yo gen droit empêcher Hamas joindre capacité pour serrer ak joindre provision même dans l'hôpital. Mais encore moi t'a dit même bagay que nous te dit avant sous question ça que nous espérer yo faire ça en accord avec loi internationale là et puis protéger autant que possible innocent dans l'hôpital yo employé médical yo ak patient yo pendant la guerre a continuer entre Israël ak Hamas Israël ak Liban continuer à toquer kon yo yes we worry that oui, nous paix pour yon pousser dans la guerre ça mais la guerre ça et l'armée Israël la connaît que li pa pral yon moi vle di Hezbollah gen plus moyen que Hamas donc ça pral difficile n'a rappelé la guerre ça entre l'armée Israël là ak groupe armé Hamas là t'est en main depuis 7 octobre 2023 passé ya les groupes armé Hamas là t'est touyé 1200 israéliens ak kembe 240 lot en otage d'après autorité israélien yo d'après ministère santé nan Gaza groupe Hamas ap dirigé déjà gen plus passé 25 000 moun ki mouri nan Gaza et puis fort victime yo c'est ti moun ak fam gentil Augustin Junior Miami pour VOA Creole. Donc dans l'actualité ici aux États-Unis il y a plusieurs conflits entre la Maison Blanche avec les républicains dans le Congrès. Nous t'as parlé de immigration mais quand il y a gon l'autre et difficulté qui gagne encore et ben c'est problème qui gagne entre la Maison Blanche avec républicains sous question assistance pour le pays Ukraine qui fait guerre avec la Russie et c'est comme ça que qu'on y a les États-Unis gagne problème pour le tabac faire face à assistance que livre continuer by Ukraine en allant à Pibouy. Just let me introduce Secretary of Defense Lloyd Austin to deliver introductory remarks. Mr. Secretary, over to you. Ici aux États-Unis, pendant presque 20 mois, Pentagone, département de défense les États-Unis, t'es en tête une coalition qui gagne la donne environ 50 pays alliés, avec objectif d'envoyer plusieurs milliards de dollars d'assistance par pays Ukraine qui en guerre avec la Russie. Assistant Secretary Wallner. A good day, everyone. Pour première fois depuis les coalitions ont été créées, ça a gagné presque deux années, c'est première fois les États-Unis à bout de négociation yo, avec deux mains vides, sans l'argent, ça veut dire qu'ils n'est pas capable de contribuer qu'on y a pour aider l'Ukraine défendre tête li contre l'invasion de la Russie à cause d'un problème qui gagne entre la Maison Blanche et les Républicains dans le Congrès. Vraiment vrai, administration Biden n'a toujours à ton Congrès, passer un budget avec possibilité pour y approuver plus assistance encore pour capable aider l'Ukraine. Et États-Unis, dans ces constats-là, a mandé à l'Elio pour aider comble vide là. Dans l'ouverture réunion, ministre de défense américain Lloyd Austin, dans la première apparition publique et virtuelle depuis la Kaili, a encouragé le groupe là pour fouiller fonds dans l'argent yo pour capable aider l'Ukraine jeune assistance pour le renforcer système de défense aérienne. In fact, Putin embodies war. Semaine qui s'est passée là, dans le Forum économique international d'avance dans le pays, la Suisse, président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé assistance aérienne, ça, d'après ça, dit pour capable de remporter la guerre contre Moscou. Et puis, nous avons un coup d'œil dans le département de Nord-Pays, à côté que le ministre des Travaux publics, Transport et Communication, M. Rosemont Pradel, eh bien, il a lancé vendredi qui s'est passé là, travail pour améliorer route nationale numéro 6 là. Une section qui a commencé à sortir Kafoulamot dans le Nord pour arriver dans Wanamet, dans le département Nord-Est, là, pour nous retourner sous question ça, sous lancement travail ça. Quand nous parlons dans Floride, dans Floride ici aux États-Unis, un ben groupe musical haïtien classe qui t'a offri yon performance dans Miami côté nous gen correspondant nous Jean-Marc Hervé Abela qui t'est sous place la fait nous vivre moment ça.
Lansé activité Sounds of Your Loyalty pour l'année 2024 là, qui peut être faite à chaque troisième vendredi dans le mois dans l'année là. Organisateur événement Silla, tu choisis groupe Maestro Richie et Pipoa, classe pour te louer activité Silla. Pendant que la soirée est sortie de tous côtés, pour te venir prendre plaisir dans le Loyalty Culture Center. Véra Créole, tu es obligé de regarder pour voir qui j'en s'atteye. Florence de Marco, qui t'a pas plaisir dans la classe, pose une question sur l'activité et il te répond comme ça. Spectacle dans le Little Haiti Center, c'est toujours un programme pour tout Haïtien visiter. C'est ça que je me sorti. Depuis que je suis sorti, je suis allé en Haïtien, pour m'enjoyer. Depuis que je suis allé en côté, qu'on est côté braléa, toujours bon. Soirée, je vois que j'ai rencontré avec chanteuse de classe là, Cadet Lospierre. Il était dit non, c'est toujours un plaisir pour les jouer pour compatriotes liés. Mon public là, c'est accueilli nous à cœur, comme d'habitude. So, nous sommes happy tout pour nous te web public là, pour nous te have fun, amuser nous avec public là. C'est toujours un plaisir pour nous jouer pour public là, pour Haïtien pareil. Mais comme tout le monde connaît que musique c'est passion, so, l'offre pour bagarre avec passion, on fait la cœur. Classe en témité quelques mois en invitant tout le monde qui était venu participer à elle dans la soirée ouverte à l'Ouvre Loïti pour saison 2024 là à Bosch à compas direct. Jean-Baptiste Jean-Baptiste là à Miami pour Véra Créole. Donc c'était le groupe classe dans Miami avec Jean-Marc Hervé Abela qui était sur pour nous. Eh bien, et prestation ça, nous pratiquement arrivé dans la fin du programme. Là. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous te servir. Et gros nouvelle là, dans le pays d'Haïti, c'est arrestation ancien président, chambre députée, Charles Chancy. Et dans le moment, on a parlé là, selon information qui vient de nous, surtout dans le pays d'Haïti, il a semblé que il y a un pile et problème dans la zone Henry, côté député a sorti et nous connaissons que grand mandat international contre un paquet de gros autobrés dans le pays d'Haïti. Nous pas faire arriver dans fin programme. Non, merci pour attention, nous merci pour fidélité nous. Mais thank you so much Kila et merci Fred Kaimit et merci tout l'autre monde qui t'a metté ensemble et nous saluer zami nous, correspondant nous, confrères nous qui pas bon ici dans Miami qui suivent formation. Moi c'est Jacques Lambelizer. Bonsoir et à demain.